Le ministre des Postes, des Technologies, de l'Information, de la Communication et des Médias, Nestor Banhumukunzi, était invité à l'Assemblée nationale ce mardi 6 novembre pour des questions orales. Certains députés s'inquiètent sur la liberté de la presse. Les journalistes sont menacés, mais le ministre Banhumukunzi le nie catégoriquement. Je ne dirais pas qu'au Burundi, les journalistes sont menacés. Non. Et d'ailleurs, faisons attention. Ceux qui le disent veulent ternir l'image du Burundi. Les journalistes ne sont pas malmenés. Le journaliste du groupe de presse Iwachu, Jean-Louis Guilliman, a disparu depuis le 22 juillet 2016. Des reporters sont malmenés lorsqu'ils sont sur terrain. Écouter les radios en ligne telles Kinzamba et Humura n'est pas du tout un crime, éclaire M. Banhumukunzi. Dans la loi sur la presse, écouter certains journaux n'est pas interdit. Je pense que personne ne pourrait être emprisonné parce qu'elle écoute telle ou telle radio. Certains députés disent remarquer que dans les médias, les quotas ethniques ne sont pas du tout respectés. Ils demandent que cela soit revu.